droite, Edevaldo, Oscar, Luzinho et Junior, le numéro 6, c'est-à-dire les arrières qui s'étaient présentés lors du dernier Mundialito. Il ne faut pas vous fier au minutage, par exemple le numéro 6, Junior, match récemment à Wembley contre l'Angleterre. Hilario, Zimaco, Batiston, ce qui fait que nous assistons au deuxième match international de Ginguini et au premier match au poste d'avance. 7 à 8 bonnes minutes depuis le coup d'envoi de ce match, Didier Six. Six toujours. Et tacle favorable pour Didier Six. Junior se tient la cheville. Ouverture de Jean Vion pour Rouillet. Contrôle de Rouillet. Petit but de Rouillet. Non, il est passé de très peu à côté. Tigana. Bossis. Va-t-on voir un but de Bossis? La bonne sortie de Paolo. Football brésilien avec Zico. Cerezo pour Zico qui est bien parti à la limite du hors-jeu. Le jeu de touche n'a pas levé son drapeau et Dropsy sauve in extremis. Ah oui, facilement devant Moisan. Il y a Tigana maintenant. Ce n'est pas un problème. Paulo Isidoro. Tir de Cerezo. Ouh, un boulet. Attends. Socrates qui va sans doute prendre appui sur Zico. Zico est parti. Il y a un trou énorme. Et but de Zico, but parfaitement valable de Zico. Quelle belle passe de Socrates et Zico qui s'est fait oublier, qui est parti au tout dernier moment, Michel, dans le dos des Bleus. Oui, oui. On revoit très vite tous les Bleus qui partent du même côté et qui délaissent Zico, qui vraiment sans difficulté, du plat du pied, marque ce premier but de la partie. Le match commence cette tournée européenne par une victoire. Dédère, vraisemblablement, qui tire direct. Oui, une frappe terrible. Dropsy du poids au tout dernier moment. Récupéré par Rouillet sur un contre favorable. Il a Tigana à sa gauche. Va-t-il passer en dribble? Voilà, centre de Rouillet pour la tête de Ginguini. Et non, c'est la tête de Didier Six. Ronaldo, intervention de Lopez. Paolo Isidoro. Il y a beaucoup de jaunes sur la gauche. Ronaldo Junior, oui, pour Eder. Attention. Un centre bien travaillé, une tête plongeante de Paolo Isidoro et un but de Ronaldo, semble-t-il. Oui, but de Ronaldo, alors qu'il y avait également Zico à l'affût. 2 à 0 pour le Brésil, Michel. Ah oui, le buteur Ronaldo qui reprend du pied droit. Et le Brésil qui mène. Double rideau, Ginguini, Six. Et attention au contre dans ces cas-là, Moisan, Six. Six pour Tigana. On approche des 16 mètres pour Anziani. Et oui, oh non, là, 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 là. Tir superbe de Philippe Anziani sur la transversale. Ce n'est pas terminé. Rouillé et le ballon sort en touche. Le plus souvent dans cette partie du terrain, Junior. Eder. Alors attention au centre d'Eder. On vous l'a dit, il n'a pas besoin de déborder. C'est une nouvelle fois ce qu'il fait. Il a centré tout de suite, Paolo Isidoro qui tente à l'homme, oh que c'est bien joué, c'est Specht qui sauve sur la ligne, extraordinaire. C'est du Pelé, c'est presque. Car Eder va centrer tranquillement, ben voilà qui est fait. Et toujours on regarde, et là, c'est pour Zico. Quand Zico a le ballon, il y a danger. Socrates est parti à grandes enjambées, et c'est pas une masse à faire, attention. Et but de Socrates. Ah, c'est encore une action à se lever, d'ailleurs le public du parc applaudit ce troisième but, Didier. Ah oui, tous les jaunes sont partis sur le côté gauche, il y en avait deux ou trois et c'est finalement Socrates qui a hérité de ce ballon et qui, du bout du pied, un pointu, lobe Jean Castaneda et Leonard Specht arrive trop tard. Trois buts. Zico arrive derrière lui. Rouillet qui se bat fort bien sur cette action. C'était de la montagne pour à nouveau Tigana, Didier Six. Et tir du gauche de Six. Superbe tir de Didier Six que Paolo Sergio a touché du bout des doigts. Cerezo, Zico. Et les Brésiliens qui endorment les Français. Et là on accélère tout d'un coup avec Paolo Isidoro. Zico. Revoici Paolo Isidoro. Ah, et Lopez. Un retourné au tout dernier moment. Alors que c'est tous les deux. Ballon pour Six. Ah oui, du droit, il y est. But de Didier Six. Du pied droit, comme contre la Belgique. Il ne marque plus que du pied droit. Et là, nous voyons bien cette guerre avec De La Montagne et Six côté français face aux défenseurs brésiliens. Six qui repique vers le centre. Ils savent qu'il est gaucher. Et il tire du pied droit. Il surprend tout le monde. Et Didier Six marque un nouveau but contre le Brésil. Il avait marqué très rapidement, sinon
Ah, il a réussi quelque chose de pas mal, Lamoisan. Le cornu, Tigana. Devant Junior, oui, terrible coup de rein de Tigana. Didier Six, ah, le poteau! But de la montagne au-dessus! C'est pas possible! Ah, c'est pas possible! Exclame un but, pourquoi pas? On peut y croire. Sur ce corner. Ballon récupéré par Jean Vion qui remet dans le paquet. Moisan est en bonne position. Et reprise de Jenghini! Et du bout des doigts, Paolo Sergio. Paolo Isidoro. On revient. Et superbe tir de Paolo Isidoro qui amusait vraiment la galerie là-bas. Il passait le ballon sous son pied gauche, sous son pied droit. Il va passer Jean Vion, oui. Lopez, bonne protection, contrôle de la poitrine. Et passe à son gardien Jean Castaneda. Et c'est la fin.